Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais expliquer mon gros problème avec S4X0. Voyez-vous, S4X0 c'est un serveur qui à base était privé. Ça, ça se peut que ce soit encore considéré comme un serveur privé, mais on s'entend que genre, tu vas sur Google, t'écris x 0.gg puis t'as accès à l'entièreté du jeu pour pouvoir jouer. que ça honnêtement, c'est pas quelque chose que je considère euh, privé. Quelque chose de privé, ça serait genre qu'il faut que tu ailles chercher un lien méga, un lien MediaFire ou genre que tu joins un Discord spécifique pour avoir un lien de download. Mais ça, c'est accessible à tous selon moi. Fuck, le sujet de la vidéo, mon problème avec le jeu. Euh, en soi, le jeu, j'ai quand même beaucoup de fun dessus parce que, ben, il y, y a pas mal d'ajouts qui sont quand même nice. Mais. Euh, J'ai aucune idée de ce qu'ils font présentement. Là. Je, je sais pas si vous vous souvenez peut-être dans le temps que S4 League était sur le bord de fermer. Il y avait Doumi sa chaîne YouTube, il a enlevé toutes ses vidéos. Par contre, c'est triste parce que je peux pas vous euh, vous faire les références qu'il y avait. Mais dans le fond, toutes ces vidéos, il, y a, il était en 3 ou 4 parties. Mais ces vidéos s'appelaient What Happened to S4 League. Et puis là-dedans, il mentionnait à quel point Area Games il euh, y en avait pas grand-chose à faire de la du jeu en soi. Puis on, on s'en souvient toutes de toute façon qu'il n'y avait pas d pas d'update, il n'y avait pas de fix, il y avait il y avait rien qui se passait au niveau des patchs de d'ajouter des maps, d'ajouter des armes, faire du nouveau content. Non, c'est pas vrai. Il y a eu le genre les derniers sets qui ont été ajoutés dans le jeu mais on s'entend qu'ils était là que le Callis. Call so quand on va sur Xero, on va sur le shop, on descend. On va pas euh, tout de suite passer le, le Halloween 2022 sales parce que je veux garder ça pour tout à l'heure. Mais on va commencer par les items qui sont dans le shop depuis le début euh, depuis le début du jeu. Genre les pens et les XP boosters, K-Find. S'il y en a qui veulent acheter ça euh, pour euh, une shit tonne de ZP, gâtez-vous. Les name change key. Il y a 4 capsules qu'on peut acheter avec des penses. C'est comme. qui okay. Les prix sont chers par contre. Puis pour les nouveaux joueurs, honnêtement, c'est quand même chiant. Même si je sais que t'achètes n'importe quoi dans le shop. Puis tu l'as. Mais ces 7-là spécifiquement sont pas dans le shop. Fait qu'il y a juste par ces capsules-là que tu peux les avoir. Après ça, c'est là que ça commence à dégringoler. Selon moi, là. Tout. Toutes tout, tout les systèmes qu'il y a ici. Il y, y en a quand même beaucoup. Ok, fine, je comprends, ça donne du choix, c'est merveilleux. Mais tous les systèmes, sauf le Modern Collection, qui est des cheveux. Puis il me semble qu'il y en a un autre. Item. Euh... Même pas. Okay, donc, tous les items qu'il y a dans le shop, c'est rien de nouveau. C'est que des reskins, des recolorations de sets d'armes qui sont déjà existantes. La grande majorité des armes qui sont dans le shop, c'est des armes de melee. Genre on va compter le nombre de counterswords en centre. 1, 2, 3, 4, 5. 7 8 9 10 11 counter sword Dans le shop Et on va compter les armes gun qui ok Ça c'est ridicule 1, 2 3 4, 5, 6 c'est ça j'ai même pas compté toutes les autres armes de melee qui ont un reskin. C'est juste pour une mini-comparaison de la différence qu'il y a pour euh, gun et sword, euh, question de niveau accessibilité. Mais moi, moi personnellement, les, les guns, je m'en fous complètement parce que je joue pas ça, parce que j'aime pas ça non plus. Mais c'est quand même euh, assez inégal hein, niveau balance pour combien de, de guns tu peux avoir par rapport au sword. C'est ça. Les reskin, honnêtement, c'est comme vraiment chien. Puis là, on arrive dans le gros vif du sujet. Les événements, dont celui de Halloween, qui ont complètement chié dans l'appel, man. C'est horrible. Reskin, 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 reskin. Ça ici, complètement copyright. c'est honnêtement. Euh... J'ai aucune idée on si ont acheté des droits ou non sur chaque item que je vais nommer Mais genre... si ils ont pas acheté de droits sur les, les affaires, man, ce serveur-là peut fermer n'importe à qui, Fait le, le masque de Majora La Vampire Lucille Que ça, ça vient de Walking Dead, c'est la batte de Lucille Après ça, il y a le bikini de Nami Qui vient de One Piece il y a le chapeau de paille à Luffy qui vient encore une fois de One Piece. Prochain item, c'est le Awakened Soul Eater, qui en fait vient de Kingdom Hearts, puis c'est juste Soul Eater qui s'appelle. Euh, Pas de ça, il y a le Sharingan Eye Collection que t'achètes, puis genre, Je pense que t'as les 8 au moins dans, dans le pack, mais quand même. Ça vient de Naruto. Il y avait un... Ouais. Quand tu va dans les news, ici, le lightsaber update, ils ont ajouté des sorts laser dans le jeu, man. Puis ça, ça j'en avais parlé dans une autre euh, vidéo, mais genre, c come on, là, stie, Genre, check. De un, c'est horrible. De deux, les centres d'effets sont à chier, genre, ça ressemble à rien du tout. Puis encore une fois, je vais répéter, mais les copyrights que tu peux te manger là-dessus, c'est con raide. puis là, après ça, tu sais, t'ai rendu ici d'un reskin. Ça aussi, reskin, 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 reskin. D'autres reskin encore une fois. Un autre counter sword pour ajouter au lot. Fait que là, on est rendu à 12. En plus de ça, ils te vendent ça à des prix, man. C'est genre... 135 ZP, est okay, t'appuies sur Byte, tu vois ici. T'achètes 50. Parce que sur Xero, si t'achètes 50 capsules, genre en un seul lot, apparemment que t'es sûr et certain d'avoir l'objet à 50e capsule. OK. Au moins, t'as une possibilité d'avoir ton objet au bout de la 50e capsule. Sauf que 50 capsules, là, c'est 5400 ZP. Si on va dans un top-up, là, 5400 ZP, t'as pas le choix d'acheter. Le pack Ruby qui est à euros et non dollars comme c'est écrit ici. Parce que si on va genre dans... Non, je vais... Never mind, je vais pas aller dans mes transactions log parce qu'on va voir les numéros, là, mais whatever. Genre. Ils veulent juste se faire du fucking cash sur ton dos. Tout le temps, genre, il arrête pas d'en rajouter, d'en rajouter, d'en rajouter des hosties d'affaires de même. Les... Je sais plus quoi faire avec ce style là, genre t'as. Juste, juste là, là, dans le shop, t'as 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça... 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses que tu peux te faire. Copyright strike dessus. Ce... Sérieusement, là, je trouve que Xero il commence vraiment à ressembler à Area Games et puis à penser juste à leur cas liste de poche. D'un début du jeu, c'était vraiment nice. T'achetais des ZP, t'avais quelque chose dans le shop, t'étais sûr à 100% de l'avoir. Ça te coûtait 1400 ZP peut-être. Mais au moins, t'étais sûr d'avoir ton set au complet, ton arme. Aster s'est rendu de la grosse merde. Tout ça au nom de la nostalgie, apparemment. C'est dans quel. Euh... Je sais même plus si c'est dans quel... Euh... Gaga, euh, développeur ledger, c'est dans le 5. Non, ça, 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 ça me tente même plus, de euh, jouer à cause de ça. D'où une des raisons de pourquoi c'est ainsi. Tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube, c'est euh, genre des, des clips, puis des games, bâtards. Fait que c'est ça, c'était Tabik. Puis j'avais vraiment besoin de m'exprimer au sujet de ça, parce que là, là, c'est n'importe quoi. Ciao, bye.